Il est évident que si j'avais la connaissance que j'ai là maintenant, aujourd'hui, j'aurais pas pris les mêmes décisions, par exemple, dans mon business d'il y a 3 ans, par exemple, même d'il y a 2 ans. C'est juste que plus t'as de connaissances, plus tu prends des décisions différentes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Yes sir les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, voilà, notification, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé et de passer à l'action, ok, pouvoir être libre, c'est ce qu'on veut, hein. Pas compliqué, on veut juste être libre et pour ça il vous faut de l'oseille les gars, il n'y a pas le choix. Donc tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert, ok. Je sais pas pourquoi il y en a qui hésitent à chaque fois de pouvoir prendre ça. Ok, je te montre exactement qu'est-ce que j'ai vendu, comment j'ai fait, quel prix, quelle stratégie marketing, comment j'automatise derrière. Je te montre tout. Ok, donc quand t'as pas fait 20-40 semaines, tu prends. Et il y a des trucs les gars, ça va être normalement. Ça doit percuter direct normalement. Hein, faites pas comme Gérard les gars. Okay. Et pourtant les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, ça fait 3 ans que je voyage. Arrêtez de trouver des excuses les gars, vous avez tous eu des galères. Et si t'as pas eu de galères, tant mieux, hein, ça changera rien. Que t'aies des galères ou pas, ça changera rien. L'essentiel c'est qui est capable de mettre ses couronnes et d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce qui compte à la fin. Passons directement au sujet de la vidéo. Fais ça et ta vie va changer dans 6 mois. C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo qui est inspirée d'un podcast que j'ai vu de Patrick Bett, ok, qui c'est un multimillionnaire aux États-Unis, ok, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Value Entertainment, ok. Il habite à Fort Lauderdale. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, il a fait une vidéo où il montre sa maison. Sa maison, tonton, elle est énervée. Elle est énervée, ça m'a inspiré de ouf. Il est à Fort Lauderdale, genre il est à côté, je sais pas si on appelle ça un lac. Ouais, je pense. Ah ouais, c'est quoi ça? Je sais pas, mais en tout cas, il y a de l'eau. Ok, c'est peut-être un lac. Il est là, il a une grande maison, tout ça, c'est énorme. C'est énervé, ça m'a beaucoup inspiré. De temps en temps, je regarde cette maison pour que ça puisse m'inspirer, parce que j'aimerais bien voir ce genre de maison plus tard, tu vois. Et en fait, il racontait son histoire, comment il a commencé. En fait, il est rentré dans l'armée, tu vois, quand il était plus jeune. Et voilà, il est parti de zéro, pareil, hein, les gars. Il est parti de zéro. Donc, il a commencé par l'armée. Après, il avait des rêves, il a arrêté l'armée. Et il a commencé, genre, à essayer de faire lancer un business internet, un machin. Plusieurs business, machin, tout a échoué. Il n'y a rien qui a fonctionné, au moins 5, je ne sais plus combien de tentatives il a fait, mais trop de tentatives en tout cas, et ça n'a jamais marché. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que lui dit que pour lui, tout le monde est obligé de réussir en faisant ce que je vais te dire là. En fait, ce qu'il a fait à un moment donné, parce qu'il n'a fait aucune étude, okay, aux États-Unis ils sont à fond dans les gens, ils appellent ça les degrees. Ok, beaucoup genre pour eux, quelqu'un qui est intelligent, il doit faire des études, tu vois, ils sont encore vraiment dans ce truc là. Et lui, il n'a pas été à l'école, tu vois, il n'a pas été à l'école. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il s'est énervé, il a dit vas-y, je me renseigne en fait sur chaque sujet. Chaque sujet, en fait, je vais lire 20 livres sur chaque sujet. Aussi simple que ça. Donc après, il a pris genre négociation. Donc négociation, il a lu 20 livres sur la négociation. Ensuite, il a pris marketing, il a lu 20 livres sur le marketing. Ensuite, il a pris, c'était quoi? Relation? Ouais, relation. Ok, relation influence, relation femme aussi. Il a eu 20 livres sur ce sujet-là. Et après, tout ce qui était sur l'argent, le sujet, le topic sur l'argent, il a lu 20 livres sur ce sujet-là aussi. C'est un petit peu ce que l'on voit sur cette chaîne quand même, finalement. Parce que j'ai envie de te dire, c'est les piliers. Si dans cette vie-là, tous les 4 piliers que je viens de te donner, tu n'y connais rien, ce qui est le cas de la plupart des gens qui sont autour de toi, ta vie va être compliquée. Et ce qui est le cas de la plupart des gens qui sont autour de nous, finalement. Et donc du coup, lui, ce qu'il dit, c'est que si tu fais ça, il garantit que si jamais tu fais ça, tu prends chaque topic, tu lis 20 livres, c'est impossible que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu sois au même endroit. C'est impossible, ok? Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que plus tu as des compétences, en fait, plus tu as de la valeur. Si jamais tu es meilleur en marketing, si tu as lu 20 livres en marketing, à un moment donné, tu as de quoi apporter des choses. Même si ce n'est pas pour toi, tu vois. Même si ce n'est pas pour un business que tu lances, mais même par rapport à l'entreprise dans laquelle tu travailles, les gars, ils vont voir que tu es meilleur. Et donc, du coup, ils vont te proposer quelque chose en plus. Il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir à toi, tu vois. Donc, en plus, si jamais tu cumules tout ce que je viens de te dire, tous les topics, bah, c'est normal, tu vois. Et souvent, on oublie le principe de
L'argent, ça vient comment en fait? D'où ça vient en fait? L'argent vient de ta capacité à devenir une nouvelle personne, donc une personne qui a des connaissances différentes, ok, qui va pouvoir apporter de la valeur à un marché en fait. Et plus tu vas apporter de la valeur à un marché, plus tu vas avoir de l'argent en retour. Mais pour pouvoir apporter de la valeur à un marché, il faut bien que tu l'apprennes, tu vois. C'est pour ça que des fois, quand je lui dis, ouais, prenez mon étude de cas à 20K, où je vous montre comment j'ai fait les 20K en une semaine, il y en a qui hésitent et tout, mais t'es sérieux ou quoi? Que des fois, il y en a qui m'envoient des messages, ah, j'ai pris du temps à prendre ton étude de cas, mais quand je l'ai pris, c'était énervé. Bah oui, pourquoi t'as pris autant de temps en fait? Tu perds du temps. Donc aujourd'hui, si tu décides de faire là, parce que moi je vais le faire, tu vois, parce que quand il a dit ça, j'ai dit, ah, ça c'est une très bonne idée, je lui dis, tiens, je vais le mettre en objectif ça. J'ai dit, c'est parfait ça, même si j'ai déjà lu pas mal de livres, mais là j'aime bien de bien catégoriser chaque topic comme ça. Négociation, tu vois, par exemple, j'ai pas vraiment lu de livre sur la négociation. Il y a des trucs comme ça dans la vie, mon gars, il faut avoir de la connaissance, parce que la connaissance, même si tout le monde dit, ouais, la connaissance c'est la puissance, etc., blablabla, tout le monde raconte sa life, mais personne lit vraiment en fait. Moi, la connaissance que j'ai, après il y a les formations aussi, moi j'avoue je suis plus un adepte de la formation parce que ça va vite, tu vois. Ça va vite et ça me dit exactement quoi faire direct, tu vois. Mais les livres aussi, je kiffe aussi, je lis en même temps, tu vois. Il est évident que si j'avais la connaissance que j'ai là maintenant, aujourd'hui, j'aurais pas pris les mêmes décisions, par exemple, dans mon business d'il y a 3 ans, par exemple. Même d'il y a 2 ans. C'est juste que plus tu as de connaissances, plus tu prends des décisions différentes. Je me rappelle quand j'ai voulu... j'ai arrêté mon taf de pompier de Paris, par exemple, pour pouvoir faire des études d'infirmier afin de devenir infirmier libéral, juste pour pouvoir être à mon compte. Parce que à l'époque, c'était la seule idée que j'avais. J'avais pas d'autres connaissances sur comment faire. Je voulais faire plus d'argent, mais je savais pas comment faire en fait. Alors que avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, ben j'aurais jamais été infirmier, tu vois. Tu vois, je pense non, j'aurais pas été infirmier, tu vois. J'aurais directement fait mon business en ligne, tu vois, et je serais beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, tout, c'est pour ça que chaque seconde que l'on a, il faut que tu utilises à bon escient dans le sens où il faut que tu apprennes des choses qui vont t'aider dans ta vie, tu vois. Vraiment. Et ne rien connaître ou pas connaître suffisamment sur les piliers que je viens de te dire, négociation, marketing, vente, relation femme ou relation influence, c'est pratiquement la même chose. Et argent, comment gérer son argent, comment en faire, comment l'investir, c'est juste, qu'est-ce que tu fais dans ta vie en fait? Si jamais tu connais pas bien ces piliers, tu vois. Ta vie, elle peut que être éclatée, tu vois. Tu peux ne que, enfin pas éclater dans le sens, plutôt, tu ne peux pas avoir de résultats dans ta vie, tu vois. Donc moi, j'ai noté ça, je voulais partager ça avec toi, fais ça et on va voir si jamais dans 6 mois, tu n'as pas une opportunité qui se présente à toi ou même dans 1 an, dans 2 ans, tu n'as pas une opportunité. Est-ce que tu vas devenir millionnaire? Peut-être pas, mais en tout cas, tu seras sourd, tu es obligé de faire plus d'argent. Tu es obligé de faire plus d'argent, ça c'est sûr et certain. Que ce soit à ton taf ou que ce soit en ayant lancé ton business. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc fais-le vraiment, ok? Et dans 2 ans, 1 an, dans 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu me diras si jamais il n'y a pas quelque chose qui a changé. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir 1 seul euro de ta poche, ok? C'est notre façon de pouvoir apprendre rapidement. Et grâce à Pirate Marketing, tu vas pouvoir atteindre les 5K au minimum par mois. Okay? Donc, c'est quoi exactement? Comment ça se fait que c'est 100% financé en gros, hein? 100% financé par le CPF. Donc, si jamais tu ne sais pas c'est quoi le CPF, c'est en fait un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de cotiser tous les ans dans un compte CPF. Okay? Donc, tu cotises de l'argent et avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Okay? Que tu sois au courant ou que tu ne sois pas au courant, tu cotises. Ok, donc du coup, tout ce que tu as à faire, même si tu sais pas est-ce que tu as du CPF, est-ce que tu n'as pas de CPF, etc., tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans les commentaires épinglés. Tu mets ton email et tu vas pouvoir accéder au calendrier et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller et on va faire le dossier pour toi. Comme ça, tu n'as rien à faire. Ok, et on te donnera après les accès directement à Pirate Marketing. Donc en gros, tu n'as rien à payer. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire des clics. Tu vois, mais il y en a, ça va être trop dur pour eux. Oh, il y a 3 clics à faire. Oh, ça va être chaud là. Oh. Ou sinon, ils vont dire, oh, c'est une arnaque, les gars. Non, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Calme-toi un peu. Ok. Donc, voilà, les gars. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais ton camp.